Bienvenue dans notre émission. Le football et le respect ont toute une histoire. Effectivement, à l'occasion de la phase qualificative de l'équipe de France féminine de football au Mondial 2015 au Canada, nous avons voulu retracer l'histoire du football et de ses valeurs à travers les peintures de différentes époques. D'abord, quelles sont les valeurs véhiculées par le football féminin? Donnons la parole à Monsieur Ballon, spécialiste de l'histoire du football. Eh bien, vous savez, le football, c'est avant tout une histoire de respect. Respect des règles, respect de ses partenaires, de ses adversaires et de l'arbitre. Le respect dans le football, ça a toujours existé? Bien sûr, vous savez, sans respect, pas de sport. Monsieur Pont-Levis, pouvez-vous nous éclairer un peu? Oui, je crois que on peut dire que entre le football et le respect, on remonte loin. Parlons du Moyen-Âge, cette magnifique période où on jouait déjà au football. Des peintures ont été retrouvées prouvant que joueurs et joueuses faisaient preuve de respect. Tout à fait. Retrouvons les professeurs Donjon et Deuve qui vont nous faire partager une grande découverte. Bonjour et bienvenue dans cet édifice où était récemment mis à jour un magnifique tableau. Admirez la beauté de cette œuvre. Regardez comme ces deux personnages illustrent la notion de respect. Notez le geste du personnage qui relève le jeu de terre. Une belle preuve de respect. On peut lire les mots « football » et « respect ». En effet, merci. Mais je crois que Monsieur Pharaon veut intervenir. Merci de me donner la parole. Effectivement, je voulais signaler que le respect dans le football féminin remontait à bien plus loin que le Moyen-Âge. Des études sur des bas-reliefs retrouvés en Égypte le prouvent. Retrouvons les professeurs Moni et Sarcophage. Bonjour, oui, c'est formidable. Regardez bien ce bas-relief sur lequel les joueuses de l'équipe de France et celles de l'équipe d'Égypte sont représentées. Toutes unies. C'est magnifique. La convivialité est ici à l'honneur. Nous pouvons d'ailleurs lire des mots « football » et « respect » en hiéroglyphes. Rôtier, oui, bien sûr, c'est très intéressant. Mais nous pouvons remonter bien plus loin. Une grotte avec une magnifique peinture a été retrouvée en France cette année. Bienvenue dans cette grotte. Admirez comment les premiers hommes ont représenté les joueuses. Les guerrières ont déposé leurs armes et semblent respecter une trêve pour admirer ce beau spectacle qu'est le football. Que le respect et le football, c'est toute une histoire qui dure depuis longtemps et qui durera encore longtemps, on l'espère. Merci à tous et à toutes.